Tu as le droit de rire. Tu as le droit de rire. Tu as le droit de rire. Car une minute de rire te fait gagner. As promised, we are already. Mesdames et messieurs, bien installé sur droit des autres. Les gens ont encore notre vie. Donc, c'est un qui a encore sa vie. Ici, nous avons appelé Tambou Hu. Je ne suis pas seul. On ne présente plus, c'est-à-dire que c'est ça, c'est un pasteur. Donc, elle a... Non. Comment tu commences d'abord par dire au bas, on les trouve dans les Bamiléki. Je suis le prophète évangéliste chapeau que je m'en dépense. Chapeau partout où je passe. Vous êtes en train de m'en. Je m'en dépense. Que si je te vois en train de rouge. Jean. Sinon, quand je vais aller raconter, non, je ne vais pas dire que c'est manque. C'était rouge, noir, bleu, blanc, F, tout. Voilà. Bon, nous allons passer qui s'est passé du côté de soi, sur la route de soi. Oui. Ton enfant, voilà. Maintenant, il part pour les prescriptions. Tu restes à la maison, tu entends seulement que oh, ton enfant ne vit plus. Voilà. Oh, gars, tu ne parles que pas. Non, vraiment, observons vraiment une minute de silence. Non, pas une minute, c'est beaucoup. Hein. Non, quelques secondes. Quelques secondes, c'est trop. Et c'est toujours la minute de silence là qui est encore. Vraiment que les âmes reposent en paix. Vraiment en paix. Voilà. Mais vraiment, il faut le dire, ces chauffeurs, chauffeurs des OPEP. Ces chauffeurs des OPEP. Voilà. Sur la route. Voilà. C'est un beau parapet. Non. À la chasse à l'argent. Ouais. Quand tu as tout ça dans ma chambre, c'est la course à l'argent. T'as dit si j'en te touche vraiment. Comment un camion, les boutiques sont partout en roue là. Tu te souviens, non? Là, c'était même le camion. On peut dire peut-être le camion, ou alors peut-être. Le camion était très, très là. Dis-moi, les OPEP. Voilà. Et le problème, la plupart de ces gens n'ont même pas de permis. C'est-à-dire, quelqu'un qui est laveur, après il est devenu. Et pendant qu'il voyait qu'on pouvait manipuler un peu le volant, et il a essayé ça. Voilà, c'est une seconde nature. Et il termine par engagé. Chers auditeurs, chers ceux qui. Il faut des contacts, il faut le dire. Il faut
Les gens qui nous dirigent, qui trouvent un moyen. Qui trouvent un moyen de bien organiser le secteur des. Parfois, quand tu entres même dans ces OPEP, mon frère, tu vois comment tellement serré les gens dedans. Le chauffeur lui-même n'a même pas possibilité de manipuler les différents boutons. Ça, le tétanos se défile dans cette voiture-là jusqu'à le faire. Tu vois, tu es assis. C'est-à-dire, tu es assis comme. Il y a quelqu'un qui est assis aussi face de toi. C'est pour ça que les gens sont les billets non entendus. Si le gars est en train de respirer. C'est les bisous non entendus parce que. Subitement que tu t'attendais pas de ça, c'est comme ça. Parti. Voilà. Ces chauffards là, franchement, il ressort étant amoureux. C'est des choses comme ça. Non. Hein? Non. Okay. Donc quand tu entres dans le c'est quand tu arrives que tu c'est quand tu arrives que tu confirmes que tu confirmes que tu avais voyagé. Ouais. C'est pour cela qu'on dit qu'un enfant qui est né au Cameroun. Mais qui a un peu grandi l'autre. Le jour qu'on attache, on vient lui jeter les os comme on lui met ça. Nice. Il n'a pas. Est-ce que tu sais que la plupart même de ces opérations. Monsieur, d'autres frères derrière le bâton. On les pousse même seulement, même là-bas, même pour demander. On les pousse. Non. Ça fait mal. Comment ça? Il parle là, je ne suis même pas en train de rire parce que vous. Pas content. Là, les personnes qui paient comme ça pour rien. Non, je préfère encore la route d'un col. La route qui passe chez la gauche du Slano. La gauche du Slano. Merde. L'autre jour, je suis allé voir bébé là-bas. En rentrant, j'ai poussé le taxi. T'as dit? Et j'ai poussé le taxi, j'ai même encore payé le taxi. Non, le taximan l'a même quand même frappé 100 francs. Un colme sonné. Je comprends. J'ai retiré la. Cameroun. C'est à cause des routes comme les cols, mais celle-là. Une route qui a non seulement les dos d'Inde, là, les nids d'hirondelles, les sur la route comme. Et il y a un là-bas, hein? Mais mon. C'est une route qui est qualifiée. Hein. Ça. Ça va être porteur. Et là, c'est. Ces routes, il faut que la première maman fasse une visite là-bas. Parce que si la maman ne prend pas, non. Tu vois, le même jour, on va rentrer. Ici, faut qu'on les mette. Le problème, c'est que. Le problème, c'est que si ce n'est pas la route qui passe chez lui, il n'a pas de problème. C'est presque c'est lui. C'est toi qui souffres. Prends l'exemple. Tu as vu la route qui part en Colbisson maintenant. Voilà. C'est électrifié jusqu'à. La route qui passe chez le Bélamo. La route qui passe chez le Bélamo. Quel père. Le magistrat municipal là. Kintimevuna. Attends, il habite en Colbisson. Tu croyais qu'il était où? Je croyais qu'il était en Colbisson. Hein? Merci beaucoup. Donc, tu crois qu'on appelle quand tu arrives là où il y a un des sept. Ah! Ouais, moi je me disais que c'était Carrefour qu'on avait donné aussi un nom et puis ça a coïncidé. Merci beaucoup. Lui-même il est là-bas. Mais. Les Romains, quand même, il est aussi dans le nom. Ah bon? Oui, parce que moi-même, l'autre jour, la descente de l'ancien.
il y avait une marde. Il n'avait même pas plus le jour là, mais il y avait une marde là-bas. Mais mon frère. Bon, moi, je me suis dit que peut-être on veut monter, on veut construire peut-être là-bas. Mm-hmm. Il y a l'eau partout là. Tu dis que comme si c'est chez moi que tu apprends comment. Moi, je n'aime pas le Congo ça cobra. Moi, je n'aime pas ça. Ce que tu fais là, c'est un peu comme le Congo. Gars, moi, je préfère moi-même Colmesen. Parce que Colmesen, non, c'est la route qui est mauvaise. La... Ah, oui, je me souviens. Quand même les taxis entrent dedans, tu entends seulement touloulou, 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 touloulou. Et tes chaussées à l'intérieur du taxi, c'est mouillé. Woko, tu parles comme si, tu parles là comme si tu blaguais. Alors moi, je ramène les contacts là-bas en bas. Je sens qu'il y a des gens qui vont un peu nous édifier certaines choses. Il y a des gens là-bas à la maison qui vont nous édifier. Ah, les contacts sont déjà là. Bon, en passant, il faut quand même faire un briefing des vacances. Je sais que on a déjà les vacances. Les vacances sont finies. Les vacances sont finies, non. Mais... la rentrée, c'est lundi. C'est lundi. Là, c'était en congé de maternité, non? Elle a d'abord eu un congé de grossesse. 4 mois. D'ailleurs, quand elle était enceinte, elle a fait 4 mois de congé. Mm-hmm. Quand elle a accouché, elle a fait 8 mois. Mm-hmm. Et c'est toujours ça qui continue. Ouais, apparemment, qualité. Et leur route impose. Mm-hmm. Elle a décidé de prendre le congé encore une semaine. J'étais là-bas, j'ai mangé le ndolé. J'ai bu le whisky. Bon, j'ai donc décidé ici tous les c'est un fichier quoi. Oui, donc là-bas tu touches juste maintenant tu entends ouais là que tu vis encore, donc elle n'est plus prenable quoi. Oui, donc, et elle m'a confirmé l'autre jour que son cœur est occupé, il n'y a même plus l'espace. Ils sont fermés. Désormais, quoi. Mais il faut dire qu'on n'appelle pas à cette émission, non, mon frère. On n'appelle pas. Envoyez les messages. Envoyez les messages. Oh, alors, Cobra, continue l'émission, non, mon frère. Non, je regardais encore. C'est pas grave. Bon, Monsieur, la mamie du riz. Je pensais même que Big Rouge allait venir ici. Donc, la dernière que tu lui as donné l'autre jour, là, parce qu'il était un peu trop têtu, là, ce n'est pas encore fini. Non, ce n'est pas encore fini. Que c'était une diarrhée pistolet. Tu sais, quand la diarrhée vient, ça sort seulement. Tu vois le Kobenzé, non? Voilà. Je lui ai lancé le Kobenzé. Donc, ça coûte qu'on est frontal et fâché. Parce qu'il passe son temps à l'accompagner. Le frontal. Ah, celui-là lui-même, il a les comptes à rendre chez moi. Oui. Donc, ça part pas. Bon, c'est pas grave. Et tu sais, elle a aussi demandé que je salue. Ma mère là. Ma mère va finir son stage. Donc, tu l'as envoyé en formation. Ouais. Après la tournée, il faut que tu testes sur la voiture, ton lien. Ok. Bon, sans toutefois retarder, mesdames, on prend quand même une pause, non? Autant pour toi de souffler, non? Moi, je souffle même déjà. Voilà.
Moi, j'aurais une transition. Il faut qu'elle passe le sprint, un peu de l'eau, avant qu'on revienne. Voilà, Numbu Numba. 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 Qu'est-ce que Numba dans la salle? Numba Numba. Oh. Voilà, c'est toi les rires, votre émission préférée. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à vous présenter. Et nous aimerions aussi vous raconter beaucoup de choses de à la maison. Il y a les vos écrans, comme vous regardez là. Voilà. Yes. Il y a un de nos pandas. Elle est le nouveau marché. Elle s'appelle Tantine. Tantine Morel. Voilà. Donc elle a envoyé un concours spécial. Nous sommes droit de prix. Parce que quand je lui ai dit qu'aujourd'hui, les vacances, elle m'a pas. Bon, je profite donc pour lui faire savoir que. Maman Mou, en cousant ton habit. Parce qu'on a lancé un gomboti. Voilà. Après, on va lancer l'enseignement. Comme dès qu'on était en congé, là, je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu encaisser les petits gombos. Oui, par exemple, souvent tu le lances, on n'a pas peut-être que tu sors pire plus bien que ta cueille. C'est important. Très important. J'ai dit. Depuis ça a 1 million de personnes. Il y a le chicha. Caché là. Il a dit que vous lancez seulement les gens. Et que bon, si tu ne donnes pas ta part, c'est aussi c'est le. Là où elle est attachée. C'est mon pied qui. Voilà, non? De l'argent. Fâché que elle est là, t'as fait comment pour qu'on la. Elle doit faire. Pendant qu'elle parlait. Nous, on s'en fout. Nous, on va aussi parler des gens. Des gens ne servent à rien. Nous, chaque matin, une tasse de bouillie. J'ai mangé des beignets haricots. Là, je peux parler d'elle. Maintenant, c'est toi. Ça vous énerve, non? Allez mettre vos têtes là sur le goudron. Et puis, l'avion vient écraser. Nous, on s'en fout. Oui. Dis que toi tu t'en fous parce que moi je suis pas censé t'en faire. Bon, il y a aussi, j'ai aussi un quelqu'un là. Quand je fréquentais encore avec lui, on l'appelait Kwam Skidi. Kwam Skidi. Kwam Skidi. Voilà. Hey. Là avait un pied gauche de Makiza. C'était un très bon footballeur. On l'appelait Petit Jojo. Mais ce qui m'énervait sur lui, c'est que il sortait avec une fille là qu'on appelait Ntchamo Sangri. Oui. Je guettais la fille, elle me dépassait. Le gars avait. Mais chaque fois qu'elle voyait comme ça, ça me chopait dans le cœur. Mais il ne pouvait pas savoir que ça me chopait. J'ai changé son nom. Changé son nom. Skidi. Comment l'appeler Kwam Skidi? Maintenant, je l'appelais plutôt que non. Dis-moi, non, Eke. Ma passion a une limite, elle parle. Quoi? Tu l'appelais que quoi? J'avais changé son nom, non? Comme on l'appelait parfois Jojo, parfois Kwam Skidi. J'ai changé son nom et commencé à l'appeler Kwam Raoul. C'est-à-dire, Kwam, c'est-à-dire celui qui mélange tous les enfants. Il est roule. Ah, elle m'enlève quoi?
Non. Non, c'est toi qui dis qu'il est malhonnête. Moi, je n'ai pas dit ça. Cobra, je n'ai pas dit ça, oh. C'est toi qui dis. Ils ont vu qu'il mélange les enfants et il les enroule. Mais si quelqu'un mélange les enfants et les enroule, c'est-à-dire qu'il est malhonnête. Non. Bon, c'est vrai qu'il peut aussi être malhonnête. Non, c'est vrai. Non, est-ce que... Oh. À rentrer, il faut te procurer un garde du corps, hein. Non. Ah, s'il me voit en route, s'il le voit en route, c'est juste comme il conduit la voiture là, s'il le voit en route, moi, il fuit, non. Bon. D'abord, aller la visite à un café. Non, mais moi, je voulais qu'on parle quand même de la parodie musicale et la comédie musicale. Bah, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les deux trucs. Oui. Les gens qui ne connaissent pas entre. Comme le type de business. Oui. Non, pourquoi tu penses vraiment que tu es business production? Non, ils sont pleins. Parce que tu n'entends pas comment il fait sa publicité, dit comme. Donc c'est parce qu'il dit comme dans sa publicité que c'est. Que... Non, comme il dit dans sa publicité que comédie, casting pour le comédie musicale. Mais il y a toujours non. Non, le. Tous ceux qui voient les films qui sont produits, ils étaient. Donc. Ils disent que c'est la comédie musicale justement parce qu'ils ne connaissent pas la différence entre la comédie musicale et la parodie. Deux choses différentes. Oui. Très différentes. Oui. Même comme ils ne sont pas trop égaux. Voilà. Même le dictionnaire dit que. Mm-hmm. Même le dictionnaire dit que non. Mm-hmm. Que la parodie, c'est. Tu comprends, non? Une œuvre qui est célèbre. C'est-à-dire, tu peux sortir ta musique et tu es célèbre avec. Et puis maintenant, je décide de parodier ça. C'est-à-dire, je décide de transformer les phrases en musique, mais restant dans ta gamme. Ah, comme Moussou Lokarpati avait transformé. Comme le Congolais l'avait transformé mon morceau là, non? Oui. Comment on appelait encore la cité où il a Defao. Le morceau qu'il avait oui, chanté oui, que. Oui, tu, tu, te, tu te rappelles du morceau qu'il avait non, chanté Jique Kala, Jique Kala Mabo, O Moumenzine Yaman, Zom Ben Ben Chum Chini. Il est plutôt allé chanter Biku Sala Mama. Moi j'ai dit Jique Kala, lui, pas chanter Biku Sala. Un peu comme ma musique. C'est ça la parodie. Un peu comme ma musique Espoir 2000 avait chanté. Oui. La nuit, c'est la nuit. Demnam, c'est où? Demnam. Non, on ne connaît pas Demnam. Non, c'est comme ça qu'il avait chanté à l'époque quand il était encore avec moi. Mm-hmm. J'avais chanté ça. Ils ont parodié, ils ont chanté. La nuit, c'est la nuit. La son gris. Voilà. Au programme, aucun rendez-vous. C'est qui est bien? Pourtant, pour toi, au programme. Pour toi, dans ton programme, il y avait un rendez-vous. Il y avait un rendez-vous dans ton programme. Mais eux, ils ont dit que. L'argent. Voilà. Eux, ils ont dit que dans leur programme, il n'y avait pas de rendez-vous. Voilà. Donc, ils t'ont. Il y a Longue Longue qui m'a aussi parodié. Longue Longue m'a aussi parodié. Oui. Que le morceau où je chante, il dit regardez les briseurs des ports à Minifem, ce sont les Chang, les sauveteurs en Kouloulou, tout. Bangante, les mangeurs de Ouattafoufou à Yaoundé, ce sont les anglophones. Regardez le noun là-bas, oh, rien que les Bamouno, oh, les quincailleries dans les villes, toujours les Mbunda, oh, oh, les parfumeries à Bétoua, ce sont les Wadjo. Parodier. Il m'a parodié. Au lieu de chanter comme ça, il n'a pas dit que oh, oh. Regardez Bounamoussa Dio, c'est blanc, oh, oh. Donc, il y a aucun pourtant, il n'y a même aucun blanc dans sa musique. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas ça normal, comme tu dis là. Mm-hmm. Il faut au moins qu'il fait comme le feu de la bureau. Non, c'est que non. Non, le gars là, il m'a énervé. C'est là où il dit Cameroun du Woko, la France du Chopo, oh. Okay. Il m'a. Il a un français là-bas. Tous ceux. Il n'y a aucun français parmi eux. Ce sont les Camerounais. Et ils sont là-bas parce qu'ils ont mangé. Tu arrives là-bas. Un premier ministre là-bas. Un deuxième ministre là-bas. Même un ministre des Finances est là-bas. Même un. L'administration territoriale est là-bas.
Et après, il vient dire que, oh, que, c'est, que le Cameroun dit wok, la France dit chop. Non, il manque trop. Il dit même, il part même jusqu'à, il fait même jusqu'à, il dit que même les wok au Cameroun, c'est pour les blancs. C'est là où il m'a énervé. Franchement, franchement, quand ce, quand, t'as dit, quand ce jeune homme, t'as dit, quand ce frère, tu comprends, quand il dit que les Wolowos en Afrique, c'est pour les blancs, je comprends simplement qu'il ne connaît pas d'où il sort, il ne sait pas où il va. Parce que j'ai déjà sonné la rue des Milifemmes. Il n'y a aucun blanc là-bas. Voilà. Même les blancs qui viennent entre nous, c'est ici, les gars, pas la voiture. Même un Nguengueru, tu as vu derrière les Wolowos là. Où? Non, c'est là où le parodie m'a énervé. Et pour te prouver, donc alias Cobra, pour te prouver que ce frère ne connaît pas où il sort, pas où il va, il dit regardez l'Europe là-bas, oh. Regardez partout en Europe, c'est la joie. Et ici chez nous, c'est quoi? C'est la politique. Est-ce qu'on fait la politique ici? Il a vu qui chez nous fait la politique? Chez Wanda. Hmm? N'est-ce pas? Tu penses que c'est la politique? On devait aller caler en Libye. Mais mon frère, non, il m'a tendu. Mais il y a quelqu'un qui m'a parodié de la plus bonne manière. Hein? Mais le problème, c'est que lui, non. Il est même d'abord venu me. Il a dit vision phénoménale, je un disque d'or. Voilà. Tu comprends? Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais chanter un morceau et tu vas parodier. Bon, sauf que j'avais Balengu. Tu connais Balengu, non? Le village paradis. Oui, oui. Oui, voilà. Je te jure que c'est le seul village qu'après Paris. C'est le seul village qu'après Paris vient Balengu. Tu comprends? Ouais. T'as dit, quand il est venu, j'ai dit, tu veux chanter? Il dit oui. J'ai chanté un morceau, il dit, Mama Honda Mangbe. Le gars allait chanter de sa manière, il a eu le disque d'or. Et tu n'avais pas compris, et tu n'avais pas compris que l'amour n'existe jamais. Oh lolo. Oui, c'est lui. Oh ya 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 ya. Oui, tu connais le gars, on l'avait chassé au Cameroun. Il est aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis, on l'a chassé, il est revenu au Cameroun. On l'a encore chassé au Cameroun. Il a. Bon, actuellement, il y a un dernier Congolais qui me disait dernièrement que maintenant il vit à Mungu. Il vit dans le Mungu. C'est le prince de la montagne, oh! C'est le prince de la montagne! Mais. Il est américain. Oui, non, c'est ce qu'on avait, qu'il avait changé son acte de naissance, non. Bon, de toutes les façons, c'était la parodie. Ah. C'est qu'il m'a. Il a fait une bonne parodie musicale. Par contre, quand on parle de la comédie musicale, tu comprends, donc, Alias Cobra, on prend les gens comme le Folapi, au père à son âme. Ça, c'est un comédien musicalement parlant. Quand il lance sa musique, il dit. Les magistrats, les ministres, les musiciens, c'est-à-dire, il avait prophétisé. C'est-à-dire, il était non seulement comique dans sa musique, il était aussi prophète. Lui-même, il est passé par Nkunengi, non? Il est passé par Nkunengi, non? Voilà ce qu'on appelle la comédie musicale, cher monsieur. C'est ça. En tout cas, pour respirer, allons d'abord voir notre grand frère. Tonton Bassek. Oui, Bassek fils. Parce qu'il m'a parlé d'une lettre qu'il a envoyée à son petit frère. Mais avant de faire parvenir cette lettre à son petit frère, il a décidé qu'il fallait à tout prix que nous partagions d'abord cette lettre avec lui. Avant qu'il donne ça. Tonton Bassek. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Donc, Majora, pour toutes les choses, vraiment, tonton Bass, lettre à mon petit frère. L'international Bassek, fils. RFI 2015.
Mais au Cameroun, il n'est même pas. Il n'y a pas dernier ici au Cameroun. Ça veut dire que je comprends pourquoi au Cameroun il n'y a que le ciel, les gens, le ciel de l'humour. Il y a encore quoi là? L'ange de l'humour. Il y a quand même des gros noms de l'humour au Cameroun. Le ciel de l'humour. L'ange de l'humour. Eh, mais tu es sûr que Basquelem est encore là? Tu peux voir qu'il a lui partir. Mange la basse qui est parti. Fils, miséricorde. Ah bon, voilà. Merci Didier, excusez-moi, c'était la frousse que j'ai chassée. Je venais vous faire part d'un cas qui me fait mal depuis pratiquement 2 mois. Mon petit frère a failli se suicider parce que sa femme l'a quitté. Oui. J'ai donc décidé en tant que grand frère de, n'est-ce pas, de lui faire un petit mot parce qu'il m'a écrit une lettre puisqu'il a été sauvé in extremis par son voisin. Il m'a écrit une lettre, j'ai répondu par une lettre. Vous allez la découvrir avec moi ensemble ce soir. Mais je vais d'abord vous poser une question. Les femmes, est-ce que vous êtes dans la salle? J'ai une question pour les femmes. On dit qu'un homme qui n'a pas de femme n'est rien. Vrai ou faux, les femmes? Oui. Je suis d'accord, merci. Les hommes, est-ce que vous êtes dans la salle? Oui. On dit qu'un homme qui a une femme à tout moment peut devenir un moins que rien. Vrai ou faux? Oui. De toutes les manières, ce n'est pas moi. Battez-vous tant qu'il vous plaira. Je ne viendrai pas déchirer mon habit pour vous séparer. Vous allez rendre les comptes, n'est-ce pas, à vos différents partenaires. Alors j'ai écrit à mon petit frère une lettre, nous allons la découvrir ensemble. Cher petit frère, j'ai appris que tu as voulu te suicider parce que ta femme t'a quitté. Si chaque homme sur cette terre voulait se suicider à cause du comportement de son épouse, le monde serait plein de cadavres d'hommes. Lis et retiens bien ce que je vais te dire. L'homme qui vit avec une femme, on ne peut pas s'en passer. C'est nos mères et nos mamans. Mais l'homme qui vit avec une femme est comparable à celui qui traverse l'autoroute à pied. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut te cogner. Vous ne pouvez pas imaginer la somme des énergies qu'il faut pour produire une pareille lettre. Concentration, s'il vous plaît. Pour nos parents, le mariage a toujours été l'union entre un homme et une femme. Mais de nos jours, non, je ne vais pas lire ça. Sache que la fidélité est le ciment du couple et elle devrait se définir comme le respect et la confiance mutuelle entre les deux époux. Mais avec l'avènement de la 4G, la fidélité est de plus en plus définie comme étant l'intervalle de temps pendant lequel tu peux tromper ton partenaire sans te faire prendre jusqu'au jour où il t'attrape. La femme est comme la poule. Ça veut dire que si tu regardes tout ce que la poule picore, au nom de Dieu, tu ne mangeras pas le gésier. Donc si tu t'attardes sur les moindres faits et gestes de ton épouse, je te rappelle que ce sont nos mamans, mais on les aime avec. Tu seras cardiaque avant 30 ans. Dans ce pays, les gens ont fait des AVC à cause de leurs femmes. Et sache que quand il est causé par une femme, AVC signifie arrête de vivre, connard. C'est une maladie causée par quelqu'un qui guette tes biens. C'est pour cela que tu comprendras que les époux pauvres sont rarement victimes. Yeah!
Reconnais que la femme est intelligente, ça c'est clair, mais capricieuse, rancunière, nerveuse, possessive. D'où le proverbe, l'homme propose, Dieu dispose et la femme indispose. Sache que la femme aime la mode. Garde-lui toujours des cadeaux en rentrant du travail. Elle aime les loisirs. Elle aime les distractions. Elle aime même des pensées. Mais surtout, elle n'aime pas trop la vérité. Tu comprendras pourquoi le serpent a facilement baratiné Ève dans le jardin d'Éden. Retiens une chose, petit frère. La femme aime les flatteries et les promesses non tenues. C'est pour ça qu'elle est toujours amoureuse de voyous. Cher petit frère, le psychologue français Frédéric Robert Dussex, spécialiste des études sur le comportement de la femme, dans son ouvrage « Femmes et projections dans l'avenir », a démontré que la femme n'aime pas le futur de l'indicatif, uniquement le présent. Donc quand tu vis avec elle, il ne faut jamais lui dire « je mangerai », mais plutôt toi-même, tu as habité sous mon toit quand tu étais élève, petit frère, et tu as vu comment ma femme et moi, on s'aimait du parfait amour. Au point où un jour, après avoir mangé le plantain mûr et le mâchoiron, elle s'est couchée sur ma poitrine et elle m'a surnommé l'amour de ma vie. Tu étais témoin. Mais 2 jours après, je perdais mon boulot au sein de la société. Et c'était encore devant toi qu'elle m'a baptisé la mort de ma vie. Tu as toi-même vu le nombre de camions qu'elle a loués pour effectuer le déménagement de mon mobilier pour rentrer chez ses parents. Et comme si cela ne suffisait pas pour me punir, elle s'est inscrite à la FIFA, Fédération internationale pour la fornication et l'adultère. Petit frère, si la femme nous respecte encore un peu aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a créée à partir de notre côte gauche. Imagine-toi s'il avait fait l'erreur de la créer à l'aide de notre côte droite. Ne meurs pas, un proverbe dit, la femme c'est comme la silhouette. Quand tu la suis, elle te fuit. Mais c'est quand tu la fuis qu'elle te suit. Laisse toujours la porte de ta maison ouverte. Je te jure qu'elle reviendra avec la même vitesse qu'elle a utilisée pour sortir. Merci, merci cher public, c'était Basser Fils. Tu as accepté. Yeah! À moins c'est ma langue calée dehors. Je dis qu'à moins de mi, ma langue calée dehors. En tout cas, la lettre. Ah. Si moi j'ai un fils comme ça, je te pends avant de t'accoucher. Parce que une belle femme est comme. Oui, non. Parce qu'un champ de maïs au bord de la route, n'importe qui passe, il casse sa paille, il met dans le sac. Oui. Chacun passe, il casse sa paille, il met dans le mais sac. Mais la partie qui m'a intéressé, c'est là où il a dit que si tu regardes ce que la femme du corps, étant donné que la femme mange, étant donné que la femme est comme une poule. Comme la poule. Parce que si on regarde seulement ce que la poule du corps, on ne pourra même pas manger le gésier. Ça, c'est clair. J'espère que les femmes, vous comprenez non les femmes. Majera, tu as compris? Non, même Doris, tu as compris. Elle a fait soulever ça ensemble. Oh. Bon, revenons à nos manioc. Maintenant, à nos moutons, en passant par nos chèvres. Voilà, on va d'abord un peu les MS. Non, je n'ai même pas de téléphone. Bonsoir à vous sur le plateau. Mais le phénoménal, tu aurais du musicien. Ah bon? Que God comprenne Darius depuis. Il n'y a pas Darius sans. C'est
C'est le gars des merveilles. Vraiment. Il a couragé ici sur la terre. Quand tu vas chercher une gars qui s'appelle Merveille, elle est toujours merveille. T'as dit, elle ne te merveille pas seule. Elle merveille tout le monde. C'est la première fois que je vois votre émission. Anore. Donc, du pardon. Depuis Banganté. Ça, je ne sais pas que l'histoire est longue comme ça. Tu me salues à l'Engdangang là-bas. Hein? Voici l'autre chose. C'est bien. Qu'est-ce qui est bien? Je te vois là. Moi aussi, je te vois là. C'est toi qui la connais. Moi, je la connais pas. Une grand-mère qui s'appelle Julie. Les grand-mères s'appellent Juliana, Paulina. Magda. Ah! Vous avez faim? Venez manger du couscous avec la sauce tomate. Et que vous finissez. Non, je ne mange pas le couscous avec la sauce tomate. Je mange plus de fois. Félicitations à vous sur le plateau. Bon boulot. Merci. Bon boulot à toi aussi. Les femmes brûlent ce matin. Les saluer à travers. Merci, Amel. Comme les femmes brûlent sont ta mort, toi-même tu seras leur mort. J'ai aimé le passage du Basek. Même Basek va t'aimer un jour. Même comme il est marié. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de SMS aujourd'hui parce que comme on vient de recommencer l'émission là, nous, à peine sorti des vacances. Hey, salut monsieur. Comment allez-vous? Tu es le docteur. Non, peut-être c'est là où on n'a pas coupé la lumière. Tu sais que dans d'autres quartiers, on a coupé. Donc ça veut dire que non. Merci et tout que mes félicitations. On ne vous a pas coupé la lumière aujourd'hui, non? Nous-mêmes chez nous, on n'a pas coupé aujourd'hui. Le premier gagne. C'est l'émission qui gagne. Voilà. C'est cool. Oh là 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 là. Ok. Tout va bien. J'ai déjà réussi à attraper mes rangs. Ouais. Vous êtes trop fort. Ok. Je suis déjà seulement que sur ça. Oh. Tu parles. Tu nous laisses faire notre émission. Hein. Tu as déjà dit que tu as aimé. C'est qui? Attends, ne lis plus. C'est qui? C'est Marc-Christelle. Quelqu'un se reprend. Attends. C'est Marc-Chris. Marc-Chris ou Marc-Christelle? Marc-Christelle. Voilà, non, là, ça va. Parce que si c'était ma voyelle, me dit, non, j'allais me fâcher là maintenant. J'allais. Voyelle, me dit, il ne faut pas toi aimer son passage. Voyelle, me dit, il ne faut pas. Voici notre merci, Cobra.
Bonsoir pour rire à vous. Bonsoir, mes grands. Et bien, à travers ce petit bout de message, hein, qui lui fait savoir qui. Fait ce qu'on appelle un mandat fondu. Si tu vas bien, car ça fait un bail que je n'ai pas ri autant. Car je vais vous protéger. Merci Viviane. Le très haut va aussi. Veillez sur toi. Je vois le très haut veiller sur toi. Bon. Tu risques à tu oublier même que c'est toi qui présente l'émission, mon ami. Non, c'est que le S est qui l'a enlevé là. Si je lis la carte là. Lis. Que quoi? Lis. Et tu es sûr? Lis. On t'a envoyé un message pour lire, non? Ok. J'ai aimé le passage de bassin. Marc-Christelle Moucho. Tu as parlé jusqu'à. Voilà, on voyait qui a envoyé maintenant un message très vrai. Donc, elle a d'abord envoyé un message. Maintenant, elle a envoyé un message plein et complet. Voilà. Mais comme tu parlais de ta chose, là, moi, je participe, c'est pas mon. C'est quand même pas le plan. Bon, le lancement, vous aussi. Tu connais Raphaël? Voilà! Oh, donc, j'ai pas ça peut payer. Ça peut payer. Voilà. Même si c'est un kitoko, je prends seulement. Comme celui qui va t'apprendre à voir. Ça fait partie des 10 commandements du vin. Ça oublie Magnie-Sylvie. Magnie-Sylvie, non? Comment il s'est vu? Elle est au quartier, non? Au monde, non? Sachez qu'il y a encore quoi? Je sais. Elle croyait que l'émission de. Tu es fâché? Oui. Je ne sais pas comment on fait pour qu'une femme se fâche plus. Ah bon? Ouais. Bon, de toutes les façons, je lance ma Chris. Elle a dit qu'elle s'appelle comment? Chris Mucho. C'est son nom, son vrai nom. Mais ça veut dire que les filles ont plusieurs noms. Hein. Elle m'avait dit qu'elle s'appelait un voyage d'un nom. Et quand elle a donné son mauvais mon lit. Elle donne à l'autre ma belle, à l'autre elle donne Christelle. Hey, aujourd'hui elle a donné Christelle à Basseke. Oui, elle avait dit, elle m'avait dit aussi dit comme ça qu'elle s'appelle aussi ma belle. C'est aussi un de ses noms. J'ai que qui, la voix qui. La voix qui te donne au moins un nom et tu constates après qu'elle a plus tout d'autres noms encore. Parce qu'il faut quand même remercier Mouba et mon équipe qui ont venu sauver les cartes. Je t'ai dit, papa. Parce qu'avant, les filles donnaient les faux noms. C'est Orange Money là qui nous a même sauvés. Parce que tu sais qu'à cause d'Orange Money, quand tu demandes le nom d'une fille maintenant, elle te donne son vrai nom et son vrai numéro. Voilà. Avant, elle te donne les faux numéros, tu demandes le numéro d'une fille, elle te donne le numéro de son père. Même moi, j'ai la donne son vrai nom. Maintenant, là, Noga, c'est son vrai nom parce que.
Mais là où les filles là me wandent alors, non. C'est là où tu as. Après, tu demandes 5 000. Le MBB, MBB va prendre 5 000 euros. Vraiment, c'est là. Les filles là nous trompent même souvent. Hein. Après, tu appelles chou. Après, elle cherche ce qu'elle a. Non, ce n'est pas sérieux. Laisse-moi lancer. J'ai à lancer la mère de Raphaël. Oui. Il est devenu, il va mouiller les cahiers. Procès de science, le procès de mathématiques de science. En science, est-ce que tu sais que quand le cahier est carré, on appelle ça un appel super. Mais tu vas voir qu'il a raison. Un procès de science. La science, c'est pas l'anglais. L'anglais, c'est un problème. Non. Est-ce que la science, c'est l'anglais? Mais là, il porte les lunettes. C'est mon père, il lance. Mais c'est le petit là que tu appelles grand. Non, comment tu peux venir? Tu sais comment on a su l'émission, si tu fais comme ça, il rend l'enfant de tuer, rentre le soir, il ne donne pas à manger parce qu'il a rien gardé. Oh, putain. Il ne faut pas dire les choses à la télé. Hein? Non, c'est bon, tu es un bon joueur. Non. C'était ça. Voilà. Non, c'est fini. C'est fini, non? Bon, on reste ici. Bon, attends, on reste ici, on part. Ah bon, avant de rester, il faut rappeler aux auditeurs que jeudi prochain à 14h30. Il y aura vraiment une émission parce que faut rappeler qu'on a fait une émission qu'on n'a pas préparée, non? Oui. Peut-être ça va nous faire, ça a l'air trop pire. Non, on n'a pas peur parce que, bon, comme depuis on ne fait que couper la lumière, là, on n'était pas sûr qu'aujourd'hui aussi, oui, la mamie, et comme nous, on a une mamie chauffante, là, donc il faut seulement brancher pour préparer avec. Voilà. Et noyau. Ah, et noyau. Moi, je t'avais dit que comme on a changé à eux, ce n'est pas un noyau. Tout ce qu'on appelle noyau. Si c'est juste pas dans le thermos. Moi, je pars, tu te rends déjà trop. Attends, tu pars, tu as dit au revoir, mon frère. Dis d'abord au revoir avant de partir. J'ai dit au revoir, pourquoi? Quand il m'a donné, d'abord, dit bienvenue. Bon, comme il part, moi, je pars aussi. La chaise là, ça chauffe. Hein. Bye, je la. Tu as le droit de rire.